Hey, salut tout le monde, c'est Foudrage. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Medieval des Dynasties, où on se trouve donc en hiver, quand il y a de la neige et tout. Le dernier épisode, moi j'avais continué donc à jouer et j'ai construit pas mal de bâtiments en plus. Donc là-bas, vous allez voir trois maisons en plus et un PNJ qui habite dans une des maisons. Et il faut d'ailleurs que je lui donne du boulot. Ensuite, la carte. J'ai regardé un petit peu si le PNJ part là-bas pour miner. Et en fait, il est parti là-bas pour miner. Il a récupéré donc la pioche. Mais il mine pas là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il reste dans le coin ici, quoi. Donc il part pas directement là-bas. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai pas envie de mettre de maison finalement. On va pas mettre de maison parce que je me dis que je ne pense pas qu'il va miner du fer. Pour être franc, je pense pas du tout qu'il minera du fer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai par la suite j'ai travaillé sur autre chose. J'ai travaillé sur la quête du roi. Voilà. J'ai travaillé sur la quête du roi et donc j'ai plutôt bien avancé parce que j'ai toutes les ressources normalement. Ok, alors donc normalement les bâtons j'en ai assez, ils sont là. Je les ai pas mis dans le coffre parce qu'ils vont l'utiliser pour boîte de chauffage, donc j'ai pas très envie. J'ai assez de fer, donc ça c'est bon. Nous avons aussi assez de pierres. Et on a assez de rondins. Donc maintenant, bim. C'est moi ou ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ça rame un peu quand je bouge ma souris là. Bizarre, chelou. Donc, je vais mettre tous les bâtons. Et normalement, je dois avoir tout dans le coffre. D'accord? Et c'est parti, on va aller voir donc le gars pour la quête quoi, et puis on va voir ce que ça va donner. On va aller voir ce qui va donner. Alors, je vais juste regarder quelque chose vite fait. Donc maintenant, on va aller voir si on peut lui dire de récupérer les ressources dans le coffre. Et après, bah, on verra ce que ça va donner, quoi. On va voir ce que ça va donner. J'espère que la quête se termine. Ce qui m'inquiète, moi, c'est pourquoi il me dit pas combien de rondins j'ai en fait en ma possession. Vu que c'est quand même dans le coffre. C'est pour ça que je suis inquiet de savoir si est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas. Tac. Alors, hey, vous avez. Ah, je crois que si, c'est bon. On peut terminer cette quête. Alors. Hey, vous avez 1 minute. Alors. Non, c'est pas. Non, c'est pas lui. Non. Non, c'est lui. Ah, oh, parce que j'ai confondu, ils ont presque le même. Ok. Ah, si, c'est bon. Ça compte quand même comme quoi j'ai toutes les ressources. D'accord. Pas de problème, je suis content d'avoir pu aider. Bim. Réputation dynastie a changé. En plus de ça, j'ai terminé deux quêtes. Donc le chapitre, je l'ai terminé. Et la quête du roi que j'ai terminée. Et quand on regarde en gestion, j'ai plus de place dans les bâtiments de la colonie. Bon, bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors, on va essayer de voir pour recruter des femmes. Ok, donc elle, ouais, c'est mort. Elle a pas aimé que je lui dise qu'il fasse beau. Ok, elle a pas. Tac, 60%. Elle a pas aimé.
Et elle veut plus me parler. Ok. Que je regarde vite fait combien d'argent j'ai. Ouais. Je peux rien faire avec cet argent. Donc c'est cuit. Je voudrais juste voir les autres quêtes. Ça m'a débloqué un peu les autres quêtes ou pas? Mais non, toi, je peux pas te débloquer tant que j'aurais pas fait l'arc. Ok. Ok. Et là j'ai plus de quête du tout, hein. La quête de chapitre, il m'en donne plus, là, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, moi, la quête du roi, elle est faite. C'était celle qui coûtait le plus cher au niveau ressources. Et qui était très chiant à faire. Et là, au niveau dynastie, je dois être très haut, non? Ah ouais. Donc, en fait, pour cet épisode-là, c'était le plus important, c'était la quête du roi. Maintenant, on va essayer de recruter pas mal de monde. Donc déjà toi. Tac. Tac. Et c'est bon. On te recrute. Super, plus tard. Maintenant. Ok, la chasse, il aime bien la chasse, mais dans les champs, ok. Ok, allez, toi tu viens aussi. Toi. Il fait beau aujourd'hui, elle a pas apprécié, elle veut plus me parler, ok. Pourquoi j'ai un truc à 232 mètres? Dans cette direction. Ouais. Bizarre. Il reste plus que toi en fait, hein, c'est ça? Et toi tu veux plus me parler, hein? Non, ok. Bon, déjà avec ce que j'ai récupéré là comme, comme travailleur, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ce que je voudrais faire encore. En fait, là, je serais obligé de. J'ai deux personnes en plus. J'ai déjà une femme. Je crois que pour l'instant, je suis obligé de faire une maison. De construire une seule maison en plus. Après, j'ai déjà des maisons de fait. Pas terminé, terminé, mais déjà une. La moitié de fait, je pense. D'ailleurs, on va tout de suite les mettre. Alors, afficher. Attribuer une maison. Maison ordinaire, bim. Ok. Toi, je peux pas te mettre une maison, j'en ai plus. Ouais. Ok. Voilà. Alors. Donc. Je crois que c'est celle-ci qui est pratiquement finie. Ouais, pratiquement. Ouais, bien sûr, j'ai cassé mon marteau. Ah, le marteau, je crois que je ne pourrais même pas le faire car j'ai. Ok. On va commencer aussi à gérer vraiment un peu plus en détail le village. Donc,
attaque. Il me faut l'extraction, je crois. Tac. On fait afficher. On va là-dedans. Voilà. Et là, on peut leur dire. Ah, voilà. Ok. On peut leur dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Ça, 50% de rondins, 50% de trucs. Par contre, ce que je voudrais, ce serait. Il faut que je diminue un petit peu quelque chose. Ok, on va avoir avec 20% de temps de travail pour faire du bois de chauffage. Donc forcément, je vais perdre un peu en rondin. Parce que forcément, ils vont pas en chercher. Oui. Mais de toute façon, là, je vais commencer à recruter un peu plus de monde, à refaire d'autres maisons et tout, donc. Alors, non, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Voilà. Après, on va aller tout de suite dormir. Si je peux aller dormir tout de suite, parce que là, je vois rien du tout. Au dodo. Ok. Je veux le marteau de construction. Ok, il me faut juste un petit bâton dans les coins. Je sais que j'ai récupéré pas mal de bâtons dans la zone, alors il n'y en a plus beaucoup. Voici enfin, là. Tac. Et une maison. La maison sera terminée. Ok, alors. Sans abri, bim, attribuer une maison. Et t'as ta maison. Ok, super. Ensuite, on va commencer aussi à voir pour les mettre au travail. Bâtiment. Extraction. Alors, extraction. J'ai trois bâtiments d'extraction de minerais, de pierres, machin. Donc il y en a un déjà que je peux virer. C'est toi. Parce que toi, t'es très loin. T'es à la mine. Et je ne pense pas que tu mines du fer. On va quand même regarder dans le stockage. Mais je crois que tu mines rien du tout. Ça sert à rien que je te laisse là-bas. Et je vais virer le bâtiment là-bas parce que ça sert à rien que je le laisse là-bas finalement. De toute façon, je récupère pas de fer. Tac, tac, non, tac, supprimer. Ok. Le bois, ça c'est bon. Je vais peut-être mettre un autre gars en abri de bois, je ne sais pas encore, on verra. Niveau chasse, je sais que j'ai reconstruit un autre bâtiment de pavillon de chasse. D'ailleurs, ce que j'ai vu, il était pas con, il était pas terminé. Ah, c'est le. C'est le toit qui n'est pas fini. Le toit n'est pas fini. Donc je vais récupérer de la paille. Je sais pas s'il te manque quelques rondins, je vais en prendre un peu. Voilà.
Ok. Ok, bâtiment de chasse est fait. Ah, tac. Alors, on va attribuer des gens. Donc ça, c'est la pêche. D'accord. Et ça, c'est la chasse. Alors, les gars qui n'ont pas de boulot. Toi, niveau 3, un chasseur. Tac. Et... j'ai le bûcheron. Ah, je vais mettre un level 2 en attendant. En chasseur. Ok, j'ai deux chasseurs en plus. Ah, donc ça c'est bon. Ça c'est pas mal. J'ai plus qu'une personne en... qui n'ont pas de boulot. Ok. Tac, donc ça on coupe. Culture, je m'en fous. Élevage, pour l'instant, c'est mort. L'artisanat. Alors, l'artisanat, ça, je vais en avoir besoin. Je vais aller dans l'atelier. Je vais choisir dans l'atelier qui me fasse. D'accord, c'est pas là, c'est pas dans cet atelier. Tu peux pas me faire des outils? Ça serait dans quoi? Dans la forge? Quoi? Oh là, j'ai deux forges. Sérieux? J'ai deux forges, comment ça se fait que j'ai deux forges moi? J'ai une forge qui est là-bas? On va aller voir quand même. Mais là ça me... c'est bizarre. Jamais construit de forge là-bas moi. Ouais, donc c'est là-bas qui... ouais. Donc, c'est le temps de travail. Ouais, mais je veux pas non plus qu'il me fasse... écoute, je vais te mettre que 20% là-dedans. Et 20% là-dedans. Il faut qu'il me fasse des outils pour les... la pioche, l'arc, les flèches, la lance. Ouais, je pense que c'est bon. C'est quoi déjà ça? Ah, c'est le... ok. Donc tac, on va t'attribuer donc un travailleur et le seul qui n'a pas de boulot c'est toi. En forgeron. Ok, tu vas bosser là-dedans. Et le stockage de ressources, je voudrais juste voir si on peut faire quelque chose. Non, on peut rien faire. Ok. Ouais, c'est bon. Tout est normalement plutôt bien réglé. Faut que je fasse des... façon, je vais recruter encore plus de monde parce que j'ai besoin de gens qui me fait de la nourriture en continu maintenant. Pourriture. Ah ouais, ça c'est bien. Ah, j'ai pas mal de pourriture, donc ça va être cool ça. Mais là, j'étais venu chercher quoi ici? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'étais venu chercher quoi ici? Ah, oui, c'est bon, je me rappelle. De la nourriture, mais de la nourriture, j'en ai ici de toute façon. Tac, tac. 3 dragons. Inventaire.
te remets les bols là-dedans. Le reste de viande que je peux pas mettre parce que c'est trop plein. Toi, toi. Et le reste de viande. Voilà, de toute façon, ça va être. Ça, je sais pas ce que ça fout là-dedans. Je récupère. Les oignons, de toute façon, ici, je vais rien faire avec. Ok. Et on va aller voir la forge là, parce que jamais fait de forge là-bas, moi, et ça me paraît bizarre qu'il y ait une forge là-bas. Alors, est-ce que ce serait un bâtiment qu'on m'a donné? Ça me paraît quand même un peu bizarre. Mais on va quand même jeter un coup d'œil. Je récupère toute la pourriture pour ici. Ouais, ici le coffre est un peu plus grand. Ok. Tac, donc bâton, paille, tac, bois de chauffage, est-ce que t'en as? T'as toujours pas de bois de chauffage. Il faut quand même que j'arrive à stocker du bois de chauffage. Donc, en gestion, je vais là-dedans, extraction. Je sais plus c'était lequel, je crois que c'était celui-là. Bois de chauffage. Ouais. Je vire les bâtons. En fait, les bâtons, je vais pas en avoir besoin. Surtout le bois de chauffage. Mais faut pas non plus que j'ai trop de bois de chauffage, vous voyez. Faut que j'essaye d'arriver à équilibrer les choses. Qu'il y ait à chaque fois à peu près 10 ou 15 bois de chauffage d'avance à chaque fois. Faut surtout pas qu'il me tape dans les rondins, quoi. Donc si je peux essayer d'avoir un chouïa un peu plus. Ça peut être. C'est dommage que je peux pas dire. C'est dommage que je peux pas dire je veux que tu me fais 40 de chauffage. Vous voyez? Comme ça, à chaque fois, je lui dirai si jamais le bois de chauffage descend en dessous de 10, je veux que tu m'en refais directement. Tout de suite. C'est dommage que je peux pas lui dire de faire ça. Parce que je peux pas faire ça. Bon, de toute façon là on va aller en direction de la forge parce que là je suis... Je ne pensais pas qu'il y aurait une forge là-haut. Il se peut que je l'ai mis par accident et que je l'ai pas vu sur le coup. Ça peut arriver. Et d'ailleurs sur le chemin je vais enlever le bâtiment d'extraction. Bon, alors je le laisse. Oh, je vais le laisser. Au cas où, on sait jamais. Hein. Je vais le laisser. Je pense pas que ça pose problème de le laisser. Alors. Il était où exactement ce bâtiment? Non, c'est pas ça, c'était artisanat, forge. Ça va être long, mais et là j'ai plus de quête. Alors j'ai plus du tout de quête pour la suite. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que il faut attendre une nouvelle saison? D'habitude, on a toujours une quête de l'histoire principale, en gros, je pense.
Et là, j'ai plus rien. Après, c'est, ça me dérange pas. Hein. J'ai de toute façon plein de boulot encore à faire. Donc, ça ne me dérange pas du tout que j'ai rien d'autre à faire en fait. Tac. Ouais, je sais pas, je me rappelle plus avoir. Je l'ai peut-être posé par accident, hein, ça arrive. Parce que la map. Ah non, ok, non, c'est bon en fait, c'est normal. Non, c'est bon, c'est normal. Mais je me rappelle plus que c'était une forgeron que j'avais mis. Je me rappelle plus du tout que c'était la forge que j'avais mis proche du village là-bas. Donc c'est bon. Tout va bien, c'était pour faire des bols. Je me rappelle. C'était pour faire des bols, donc c'est normal. C'est normal. Alors, je reviens juste ici parce que je voudrais récupérer un peu les ressources que j'ai jetées. Parce que j'ai rejeté pas mal de choses en fait. Et je veux pas les jeter, vous voyez. C'est dommage de jeter des ressources. Je pense que je peux virer. Ok, voilà. Vu qu'on est là, autant récupérer ça. Je voudrais passer les maisons en amélioration. Je voudrais faire des maisons en mur de pierre. J'avais lu que je pouvais le faire, mais il faut que je trouve la manip pour la faire parce que j'ai pas encore la manip, je crois. Pour le faire directement. Ah, ouch. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai un petit personnage en face de moi à 265 mètres. Personnage, je ne sais pas ce que c'est. Ce sera le personnage avec qui j'ai parlé. Oh, il y a une quête ici. Bon, bah écoutez, on y va alors. On va déjà parler à celle à 80 mètres là. Oh, le personnage, quand il est fatigué, il fait des bruits bizarres. Ouais, je pense que c'est le PNJ avec qui j'ai parlé, mais pas sûr. Non, c'est pas. Non, c'est pas le PNJ là. C'est quoi celui-là? Ah, d'accord, c'est pour. Le roi ne vous connaît pas très bien. Vous et votre peuple, ok. Ok, c'est juste. Il me met quand même le personnage là. Un peu chelou, mais. Je crois que je peux vous reparler, hein. Ouais, alors, je reviens tout juste de montrer les choses. Ok.
Ouais, je crois qu'elle a aimé. La chasse. Ok. Comment allez-vous ces temps-ci? Je crois que je lui ai fait ça et elle a pas aimé. Et là, c'est bon. Elle, elle a l'air d'être chiante, hein, parce qu'elle parle pas beaucoup et elle monte pas vite en points. Je vais juste vous montrer mais dans les champs. Ok. Ok, je vous montre dans les champs, ça elle aime bien. Bim. Tac, parlez-moi de vous. Attribuer donc une maison ordinaire, bim, et tu as une maison, voilà. Et je vais te donner tout de suite un boulot à faire. Et tu vas aller dans le pavillon de chasse, ils sont pleins, les trois sont pleins. La taverne, bah la taverne. Non, non, il faut que je vois déjà qu'est-ce que t'as comme compétence. Ouais, donc je vais pas faire comme ça. Je vais directement aller dans le panneau gestion de la ville. Artisanat, taverne. Tac, attribuer un travailleur. Et celle qui vient d'arriver, elle est level 3. On va super. Tu y vas. Tac. Hop. Je vais te demander à faire des ragoûts. Alors, du chou et de la viande salée. Non, c'est pas ça. Du chou, de la viande et des bols. Ok. C'est ça. Donc, tu peux bosser là-dessus. On fait aussi des carottes des fois. Donc, tu peux aussi y aller pour des bols comme ça. Voilà. Elle a de quoi faire. Quête. Ah, c'est un petit jeune, non? Non, je crois pas, non. Alors, un peu d'aide? Si. Si, c'est un petit jeune, ok. Journal. Tout comme papa, lance en bois. Suivre la quête. Pas de soucis. Je te fais ça. Encore une autre petite chose aussi que j'ai remarqué, c'est que quand vous volez maintenant quelque chose dans le village, ça repop plus. Ça fait pas mal de temps que j'ai volé des rondins. Et les rondins ne reviennent plus. Donc, je crois que les développeurs ont voulu stopper le vol. Je ne vois que ça parce que là, on peut plus voler. Bon bah, ah, je crois que encore un coup, elle est morte. Et merde. Bon, tant pis. Heureusement que j'ai encore ma pelle. Pour au moins me faire une lance. Donc ouais, je pense que le vol est terminé. Enfin, vous pouvez voler tout le village, mais après il n'y en a plus. Après, ils font plus de stockage de... Tiens. Voilà. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc normalement elle va me faire des ragoûts, j'espère qu'elle va les faire assez vite. Quand même. Au niveau poids j'en suis, ok. Parce que je crois que ils m'ont ramassé quand même pas mal de... Pas mal de bouffe là. Hein. Je suis à combien en gestion de bouffe là? Ouais, j'en ai pas mal. Bois de chauffage, j'en ai 26,2. Je crois que ça veut dire que les rondins, les bûches de chauffage augmentent. Je fasse gaffe quand même qu'ils ont des outils. Ah, je sais même pas si s'il a commencé à me faire des outils, faudra que je regarde ça.
vais récupérer quand même quelques bâtons et tout sur le chemin. Ok. Termine ces maisons aussi. Donc là, normalement, j'ai les deux familles qui sont prêts. Donc ça, ça devrait aller. Faut que je regarde s'ils ont les outils. Bon, on va déjà voir dans le... Ah, mais non, mais je peux même pas. Le bois de chauffage n'est même pas visible, en fait, dans le truc. Bois de chauffage. Ah si, ça y est. Normalement, j'ai pas fait de bois de chauffage, donc normalement, c'est pas à moi. Voilà. Les rondins, ça stagne. Ça a pas l'air de trop monter. Donc, faudra peut-être que je rajoute plus de monde. Mon forgeron. D'accord. Il est pas là. Est-ce qu'il fait les outils qui... Est-ce qu'il les range ici, les outils? Je ne sais pas. Mon forgeron, il s'appelle comment? Ils sont tous dans la... Au chaud, là. Bah là, en fait, ils attendent les outils. Là aussi, vous attendez les outils? Non, vous avez déjà des outils. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ils sont buggés. Ils récupèrent des bâtons pour le bois de chauffage. Je vais faire les outils moi-même en attendant. Ah, je vais les faire, mais je voudrais que ça se fasse automatiquement maintenant, les outils. Et pas trop. Mais ça va être difficile, je pense. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des outils. Je vais leur donner les outils. Et après, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Il faut que je regarde si je peux faire à manger. Parce que après cette saison, je crois, il y aura les impôts à payer et tout ça. Donc il faut que je fasse absolument le plein d'argent, quoi. Parce que je crois que là, ça va me coûter bonbon en taxes. Donc on va voir pour le faire. Couteau. Vous avez quand même les couteaux. J'en remets un couteau ici. Et ici, ça se passe comment? Ils sont aussi en train d'attendre. Ils ont plus de couteaux non plus. Faudra que je bosse sur les productions de couteaux. Ouais, donc enfin bref. Alors, on va s'arrêter là. J'allais continuer. Je suis à fond, vraiment. Je suis à fond dans ce jeu. J'adore ce jeu. Il est génial. Donc je vais m'arrêter là. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à le commenter, à partager, à aimer. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite. Allez, à plus.